décerner ce prix de l'interprétation féminine, nous avons dû malheureusement éclipser plusieurs aspects du film qui nous semblaient pourtant excellents, comme par exemple le cadrage qui est donc soigné, travaillé, avec une ambiance bien particulière et avec des paysages composés de forêts, ce qui rend le tout très naturel, tout comme le son. Les réalisateurs sont donc un couple de franco-turcs qui ont passé 3 ans à réaliser ce film. Mais j'ai pas eu le temps d'apprendre complètement le langage, donc je vais me contenter du toulousain. Bon, nous avons décerné le prix du jury à ce film, c'est-à-dire que nous étions tous d'accord pour lui donner ce prix, d'une part, et nous étions tous d'accord pour penser que ce film était complet. C'est-à-dire qu'il part d'une idée déjà très originale d'aller dans ce village où on parle le langage sifflé. Et ensuite, ça se poursuit avec un scénario particulièrement bien construit, avec, comme ça a été dit, des idées, beaucoup de thèmes qui sont développés de façon fine, c'est-à-dire que ça n'est pas appuyé, ça n'est pas, tout est très subtil. Bon, la comédienne joue parfaitement bien, donc on aurait pu aussi donner le prix d'interprétation féminine. Et c'est surtout aussi, merveilleusement filmé, dans une ambiance un peu de conte, et on a cette caméra qui caresse les acteurs, et on a trouvé vraiment ce film exceptionnel. Bravo et merci pour tous ces prix que vous avez décernés.